Ma jumelle, ma sœur d'avant-monde, te souviens-tu de nos années silencieuses, à traverser la ville sans y toucher, à tisser autour de nous des secrets dont on ne se défait pas, à porter ensemble notre anormalité, à être repoussée sans cesse par les autres, moquée? Te souviens-tu de cette sensation de marcher seule dans la foule? Merci Peggy Lou Garbal de prendre le temps avec nous de te poser pour parler de ton roman Vengeresse. Quel a été le point de départ de cette histoire? Ça a été mon propre diagnostic d'autisme. J'ai également une sœur jumelle autiste. Et en fait, après ce diagnostic, j'ai eu besoin d'écrire là-dessus. Comment tu travaillais sur ce roman-là? J'étais complètement possédée, en fait, par l'écriture. À chaque fois que j'avais 20 minutes où je sois, j'écrivais. Donc pendant 3 semaines, ça a été quasiment du non-stop. Dès que j'avais un petit moment, j'en oubliais de manger. Voilà, ça a été très très rapide. Aborder finalement l'autisme, c'était important pour toi? Quand j'ai eu ma reconnaissance officielle, même si je suis diagnostiquée depuis très très longtemps, il y a eu quand même une phase de colère. Parce que j'ai été un peu euphorique au moment de la reconnaissance. Je me suis dit, bah, très bien, je vais être intégrée, tout le monde va me comprendre parfaitement. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et j'ai eu besoin d'expulser cette colère que j'avais et puis de me remémorer aussi certaines choses plutôt difficiles dans mon enfance. Plutôt que d'aller voir un psy, bah, je me suis dit, je vais écrire, voilà, ça, je vais gagner du temps. Je sors enfin dans la nuit. Ou peut-être est-ce ma sœur? Qu'importe. La chasse à l'homme commence. Des empoignades sans promesse ni lendemain. Mes talons pilonnent l'escalier. Je cours, j'ai hâte. Mon ventre a mal, il faut guérir, n'est-ce pas? Quelqu'un voudra-t-il de moi? Va-t-on me trouver jolie? Je doute. Je me juge durement dans le regard de l'autre, je l'ai déjà dit. Mais s'abandonner, se taire, enfin. Et ta sœur, jumelle, elle a dû le lire? Ce livre? Oui, elle l'a lu avant parution, bien sûr, parce que son avis était important, parce que c'est quand même un livre qui est très très dur. Alors, bien sûr, c'est une fiction, comme j'expliquais, hein, nous n'avons tué personne, même si nous prenons le train de temps à autre, mais il y a quand même quasiment toutes les scènes sont réelles, toutes les scènes ont existé. Je voulais être sûre que ça ne la perturbe pas, voilà, mais non, elle a aimé tel qu'il était. Et est-ce qu'aujourd'hui, comme le livre est publié, est-ce qu'on peut dire que la colère est partie? Un peu. Un peu quand même. Je suis dans une phase plus d'acceptation. Je ne suis pas encore dans l'acceptation parce que c'est quand même très très compliqué. La colère sera toujours là, je pense, parce qu'elle est souvent réactivée par des discriminations et les injustices que subissent les personnes handicapées. Alors la colère, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Contrairement à la haine, par exemple, la colère, ça peut être un moteur. Après, il faut savoir bien diriger sa colère de manière positive, parce que c'est possible aussi. Le juge, qui était cet homme qui prenait les décisions sans nous, enfermé dans un bureau devant une pile de papiers, écrasant notre avenir sous un coup de tampon? Qu'avait-il compris entre les lignes? Les doigts de ma sœur s'agrippaient aux miens, à notre façon. Ses yeux me retenaient au bord de l'abîme. Tiens bon. À défaut de guérir l'inguérissable, elle pansait mes plaies. Sans elle, je serais déjà morte de l'intérieur. Nous avons enchaîné 3 autres familles d'accueil et de nouveau dû redéployer nos systèmes de défense, élargir le mur, le bétonner. Nous avions de la chance, nous disait-on. On ne nous séparait pas. Fallait-il remercier? Et toi, qu'est-ce qui t'a poussée à écrire? J'ai appris à lire toute seule très très tôt. Et vraiment, ça a été une porte ouverte. J'ai eu cette chance d'avoir une maison où il y avait une bibliothèque et ça m'a permis de découvrir le monde. Moi, je dis toujours, ça a été un pont vers les autres. Et après, de la lecture a découlé l'écriture. Voilà, donc peut-être que si je n'avais pas été autiste, je ne serais pas écrivain aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir partagé ce roman avec nous. Merci. Merci. Peggy.